Alors, on a dit comme ça et comme ça. Donc, on reprend Epic Battle Fantasy 4, je sais plus du tout où on en était. Je me rappelle même plus l'histoire. Je ne sais plus du tout comment ça marche. C'est un peu la merdasse. Vraiment, je sais plus du tout où on en était. C'est chiant. Alors, on va essayer de monter. On n'a pas de pilule pour péter ça encore. On peut pas passer. Putain, quelle merde. Ah, c'est ça qu'on peut niquer alors? On avait un truc. Ouais, voilà, ok. C'est ces chemins-là qu'on peut... qu'on peut choper. Ici, on était déjà venu. On pouvait pas passer. Et qui utilise la clé pour enlever un bloc de cuivre. Ok. Salut Devil. Comment on va? Ouais, t'es déjà venu aussi. Ouais, tout ça on a déjà fait. Fait qui est? Écoute, ça va, ça va. Tout y fait peiner. Aller là, je suis où? Mais non, mais nia. Alors, ce rôle de PNJ n'est vraiment pas fait pour moi. J'ai mal aux jambes à force de tenir debout. Ok, tu ne devrais pas laisser tomber tes rêves aussi facilement. Fais de ton mieux et un jour tu seras le meilleur PNJ que je n'aurai jamais rencontré. Merci, c'était tout vraiment. Je pouvais pas stepper. Voilà, dans le truc des bougies. I remember. On en était rendu là, je crois. Ok. Batte nu. Alors, limit break, soigne HP. On va pas commencer avec ça. Allez. Mouiou. Attaque du singe neuf fou.
Nous devons tenter de garder nos buffs élevés lors des batailles longues et difficiles. Ah d'accord. Parce que j'ai niqué le truc du coup. Oh lol. Ok. Bah. Heureux, je n'ai fou. Je suis perdue, je sais plus où j'en étais. C'est embêtant. Il me semble que c'était là, mais je suis pas bien sûre. Quelqu'un qui vient d'utiliser avec la scie un pourcentage de chance que ça one shot sur le boss. Ah ok, d'accord. Très bien. C'était plutôt sympa. Ouais, sinon c'est ça. Il y en a encore. J'étais bien là. Bon bah très bien. Perfecto. Je me souviens qu'on était allé acheter les stuff de la mère Noël la dernière fois là. Non, c'est pas ça. Ce n'est pas ça. Oui, non, je m'avais dit invocation robot. Il n'y a pas de multiciel. C'est quoi la durée de vie Shnafu de ce jeu? C'est quoi, une dizaine d'heures? 15? 20? Ouais, ça va. J'ai pu me reposer un peu aujourd'hui, ça fait du bien. Bon, je vais pas aller faire un marathon, clairement, mais... ça va. C'est un peu mieux. De toute façon, il faut que j'aille bosser demain, j'ai pas le choix. C'est juste qu'il faut que je vois, je voudrais commencer 15h grand max aussi. Je voudrais en faire un autre après. Je suis Mudi. Pardon? Pourquoi il y a un Mumut Oui, après, je commence un jeu avec Nours, normalement. Je
je ferai le 5 hein, de celui-ci, mais pas tout de suite, tout de suite. J'aimerais bien qu'on fasse Dragon Quest Hero 2. Ou le dernier Saints Row, là, Get Well, ou je sais pas quoi. Le mammouth, c'est à cause d'elle, là ? Sa tenue, elle invoque des mammouths ? Ok. Très bien. Ouais. C'est où? Non, c'est pas ça. Stat. Équipement. Ah d'accord, effectue parfois un mimute les nœuds. Très bien. Ok. D'accord, effectue parfois neige. Effectue parfois pic de glace. Ah, j'avais pas fait gaffe qu'ils avaient des trucs comme ça. Ok. Cool. Cette glace est si scintillante. Les badges, équipement. Ah oui, mais j'en ai pas d'autres. Il y en a pas d'autres. It is not possible. Je vais attendre d'avoir plus de points pour bidouiller ça. Non, 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 j'en ai pas d'autres. Not for the moment. Il est vraiment cool son arc là avec les petites popos. J'aime bien. Bon, au final, j'ai réussi à régler là, pour le format du jeu. Je suis toujours en capture de fenêtre. J'ai pas réussi à le mettre en capture de jeu là. Mais j'ai tiré le truc à fond en le mettant en plein écran. Donc, Jean-Michel Bidouillage. Mais bon. C'est plus propre comme ça. Je trouve. Ah, on a ouvert la puerta. Le coffre. Ah, ça par contre c'en est, il me semble. Non, fait des glaces, pas du tout. Merde. Ah, c'est une invocation. Putain, j'ai du mal avec ça. C'est ouvert, je ne sais pas comment c'est arrivé. Je crois que vous voudriez me laisser le trésor, non? Pas moyen. Pour s'en un jeu, il faut lancer au EBS en mode administrateur pour avoir la capture de jeu. Ah ouais? Oh génial, cette caverne est énorme. Toute cette glace est magnifique, si seulement plus de gens pouvaient voir ça. Il reste des tonnes de chemins qui sont encore bloqués. Il fait si noir qu'on ne saurait pas... Si on tourne en rond, je me demande si tu sais où tu nous emmènes. Achou! Là, on peut pas... Ouf, il y a trop déboulé par ici. Si seulement j'avais le marteau, je pourrais trouver le bon trésor. Le marteau? J'imagine qu'il s'agit d'un autre objet clé dont on aura bientôt besoin. Bah oui, on peut pas passer parce qu'on n'a pas le marteau. Si j'avais un marteau, tout ça, tout ça... Tu es au fond. Que bah. Fouille la tente. Ah. Cool. Merci. J'avoue que ce marteau là fait chier. Il a l'air vénère lui. Allez. On travaille. Faut se battre. Vous pouvez utiliser des attaques pour blesser les ennemis.
vaincre les ennemis pour gagner. Ouais. Mais ce mammouth, il est génial. La gueule. I love my mammouth. Je sais pas si ça va avoir grand effet, ça. Oh si, c'est pas mal. Allez. Le schnafou. Quoi, du pain? Tu veux du pain? Tu veux du pain? Il faut la défoncer pour avoir le coffre derrière. Voilà. Les monolithes utilisent de puissantes attaques lorsqu'ils sont chargés, donc garde l'œil ouvert à leur statut. D'accord. Ah mais c'est nul parce que du coup, truc de glace, là, ça les régène. Ah, attaque directe. Ok. C'est nul. Grand chêne hydre avec dégâts de terre massifs sur tous les... Oh, faudrait essayer ça. Pourquoi il en a plein, lui ? Invocation. Schnafou. Ok. Ah, robot analyse, merde. J'ai oublié. Pardon. Excusez-moi, monsieur. Alors, monolithe viking, un monolithe gravé par des explorateurs vikings, utilise des attaques extrêmement puissantes de glace et peut se buffer lui-même. D'accord. Il est sensible. C'est quoi, terre explosion? Je reconnais pas le petit dessin. Allez. Personne ne résiste à la scie circulaire. Je vais essayer le limit break. Alors déjà ça. Parce que lui on le connaît pas, je crois. Alors on a dit dégâts de terre sur tous les ennemis. Oh lol! Ah mais c'est le truc qu'on a tué la dernière fois, le boss. Énorme. Vous ne devez pas frapper ni les femmes ni les enfants, c'est pas gentil. Ah d'accord, bah oui, je suis con. Allumer ça, on a accès au coffre. Du lait. Ah bah tiens, c'est pour Nours. Nours, tu veux du lait? Je dois augmenter la puissance des habilités glace, peut effectuer. Shrapnel glacé. Ok. On va aller en bas. Non, tu veux pas du lait? Oh. Hmm.
Oui, mais j'ai pas découvert encore ici Schnaff. La carte va être toute noire. Oh merde. Si tu t'es mis de feu, il en a déjà cuit prêt à manger. Je m'en sers pour noyer Thomas, mais le pauvre. Laisse-le donc tranquille. Sur les effets et attaques. Oh. Ah, mais c'est qu'une seule bestiole. Il a pas de multi. Tous les ennemis. On va faire ça. Ce sera moins. Mais il y en aura pour tout le monde. Ah, il est fatigué. OMG. Je l'ai fatigué. Trop bien cette tenue en vrai. Elle est trop bien. Ok, un petit coffre. Petit popcorn. Ouais, bah là, c'est pas moi qui t'ai invoqué, tu viens tout seul. Hein. Je ne payerai pas, monsieur. 999. J'hallucine, quoi. Non, mais allô? On fait chier. Les monnaies ne semblent utiliser que la magie, je pense qu'il sera assez. Bien sûr, si on réduit le silence. Bah ouais, 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 mais. Shit, shize. Mal que je vienne tout seul, j'ai vu de la lumière, je rentre. Le bichour. Fait chier. Fait qui est. What? Il faut se calmer, s'il vous plaît.
vraiment. Ressuscite, soigne toute l'équipe. On va faire ça. C'est pas mal ça. Voilà, même pas mal. Même pas mal. Oh là là. Très bien. Lui aussi. Le combo Schnafou Mammut. Tout va bien. Talisman de papier, charme utilisé pour repousser les ennemis, les esprits néfastes. Hachet. Waouh, c'est profond. Je ne vois même pas le sol. Les personnes qui construisent ce pont doivent être malades. Ou juste vraiment avares. On dirait bien qu'il y a plein de pierres précieuses à trouver par ici. Lance une pièce. Voyons voir combien de temps ça prend pour toucher le fond. J'entends rien. Ouh. On tape ça en stabilité. Effectuer inondation. C'est cool ça. Alors attends. Augmente les MP. Augmente les HP. Augmente l'attaque magique. La défense. Temporelle aussi quand même. Quoi? Très bien. Ça, ça a l'air cool. Bon, pas pour tout de suite parce que l'élément feu c'est mieux là, mais. Au niveau 4 direct, okay, on prendra ça après aussi. Il me semble pas qu'on ait chopé d'autres stuff. Alors, par contre, est-ce qu'on peut up un peu? C'est quoi ça? Ce talisman réduit au silence la cible. Ah. On pourrait prendre ça limite. Un petit sort de silence, ça peut être bien. Toutes les cibles enlevant les buffs. Ouais, ça aussi c'est bon. Ouais. Du fire, ça c'est pas mal aussi où on est. Contre l'attaque magique d'un allié, ok. Il y aurait sa limite aussi. Explosion, cool. Allez hop. Tribien, tu m'as dit regarde la carte. Oui. Ah, on aurait pu aller là-haut du coup. On aurait été obligé de redescendre après. Ok. Agregre Silix. Oh putain. Oh regarde, ton passe-temps préféré.
Je sens que ça va être lourd. Oublions celui-là, de toute façon, ça en vaut pas la peine. Pourquoi ? Ça va peut-être être chiant. Et pourquoi il n'y en a pas assez déjà ? Il y a une cuille dans le potage. Ouais, on va pouvoir faire ça tout de suite, je pense. Ça bouge aussi. Peut-être que je devrais faire marche arrière. Je suis pas très bon avec les puzzles de blocs. Je parie que les pièces c'est optionnel de toute façon. Ah, les grilles, tu peux les bouger aussi. Ok. Mais les grilles, tu peux les bouger genre. D'accord. Ok. I understand. Alors attends. Celle-là, elle peut totalement aller là. C'est ça, je fais de la top case daily ce soir. Hop. Putain, je me fais chier pour rien là. Hop. Ouais, des coffres et un truc. Alors, feu explosion. Ok. Puissance dépend des HP actuels et du nombre d'alliés morts. Ça devrait être bon du coup, vu qu'on est full. Ah non, justement. Ah, d'accord, donc si on est tous en vie, c'est de la merde. Très bien. Bon, bah ça c'est fait. Oh, t'as sorti sa console, tranquillou. Oh, Jacqueline. Ah, ça c'est très très cool. Hop. C'est dommage qu'elle ait pas de truc de feu parce que c'est pas grave. On va silence au cas où. Pourquoi ton perso avec une déesse en plein combat? Trop geek pour s'occuper du reste du monde. Non mais c'est ça. C'est totalement ça, monsieur. Elle s'en fiche trop foutre du combat. Un nouveau paint. Cool. Ok, donc ça c'est fait. Maintenant on peut bien descendre. Est-ce que ça a un intérêt d'aller par là? Je ne sais pas. Puis on va se pâter. Non, je veux pas. Un chapeau aussi. Hé, hey, regarde où tu mets les pieds. Tu serais récupérable si tu tombes. Équipement. Quoi? Ah. Ah, résistance à la glace. Quoi? Pourquoi ça s'est lancé d'un coup d'un seul comme ça? Non mais oh! Ok, du feu. Bah, il a dit du feu. Hop.
Foudre à l'as. Perfect. Nouvelle médaille. Overkill. Oh yeah. Je sais pas celui-là, le petit Yeti. Je suis fan de ce mimute. Alors, et lui, du coup... Il n'aime pas ça non plus, le wind. Parfait. C'est quoi, c'est le mob qu'il y avait en haut, du coup? Ah d'accord, j'ai juste totalement foncé dedans. Parfait. Chapio. Qu'est-ce qu'il y a ici? Ah bah. Ok. Ah. Cool. Mais bon, j'ai même pas regardé ce qu'il y avait dans le coffre. Explosion, terre, je sais pas si elle a ça, terre, si. On a chopé une nouvelle invoque aussi, non? Ça. Ah, élément eau, merde. Mais allez, un centime, hein. Merdoum. Faut que je fasse gaffe, tu vas me ruiner. Ça c'est pas moi, il est venu tout seul. Tu as vu de la lumière, tu es venu tout seul, je n'ai rien fait. Je n'ai rien fait. Skill Limit Break. Inflige des dégâts de glace. Cool. Putain, tu peux trouver des Limit Break aussi là-dedans. C'est abusé. Non, 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 non. Elle compte pas celle-là, Schnaff. I'm sorry, but no. Nope. Bah, on peut passer alors ici, normalement. Ah oui, totalement. Ok, autant pour moi. Ce bâtiment est si mal construit que ça m'étonnerait que ça tienne encore. Parle pas de malheur. Fallait pas avoir le badge. Non mais allez quoi. Alors, explosion, terre haut, tiens. On peut voir du coup. Hop. Ah, c'est plutôt bien. C'est plutôt efficace. Électricité, non. Vent, non. À terre, on a dit, je suis con. Pour le pote à moi, non mais allez, arrête. Tiens, chais.
Ah, c'est dommage que ça fasse pas de multi, ça. Ce serait Bao. Allez, bim. Allez, cadeau, celle-là. Qu'est-ce qu'elle fait avec un truc bizarre, là? Le bâtard. Merde, je crois que c'est elle qui fait des heals en plus. C'est embêtant ça. Obligé. J'ai mis un truc qui reste là-dedans. Le café. Ah, très bien. 5 U. Saint Mammouth. Ah, devenez une vache. Non mais vraiment. Allez. On ne peut pas devenir une vache, c'est un monsieur. Me, c'est génial, c'est ça. Ah, elle a le mammouth, c'est vachement bien. On va la mettre à elle. Voilà. C'est pas hyper opti. Mais c'est rigolo. Voyons si ces ponts sont solides. Du coup, elle va se transformer en vache? C'est quoi l'idée? Putain, mais c'est boops, quoi. Ils lui ont fait des bons pis pour aller avec le costume. Cette armée de Jacqueline. Et c'est un Jean Bobby, lui. On dirait pas, mais c'est un Jean Bobby. Et Cucut Tox. Alors. Ouais, le blondinet, c'est un Jean Bobby. Ah, ces chauves-souris ont une esquive élevée. Ok. Bim. Mais non, mais. Ah, si. D'accord. J'ai cru que j'avais fait une connerie. Et du coup, on peut pas descendre. On refait le tueur. C'est l'histoire du Tornet qui passe sur l'enclos au Raptor. Ah oui, j'ai vu que tu jouais là tout à l'heure. Ah cool. Il est bien du coup? Ouais, c'est quoi cette merde? Jurassic Park, là, c'est ça?
Bof, si t'aimes bien les dinos. D'accord, très bien. Je me suis trompée d'affinité, c'est ça? Utch. On n'a pas un autre? Ah non, merde, oui, je me suis gourée, effectivement. Oh, j'avoue, c'est comme te demander à toi, Noursa. Réponse presque 100%, c'est de la merde. T'as rage quitte, du coup? Et parce que tu t'es fait défoncer l'enclos, c'est ça? T'as qui peut silence pour Anna pour la bébête noire. Ok. Marque déposée, c'est ça. Non, c'est vent ça. Non, c'est terre ça. Ils t'ont bouffé les raptors? Putain, il y en a 4. Oh là, au secours. On l'a pas fait encore celui-là. Ah, c'est pour tout le monde en plus. Ok. Seulement les ennemis sont. Je les n'attaque pas, mais ils sont aussi vulnérables à des dégâts dévastateurs. Ok. Parfait. Perfect. Ah, attends, 100% ça. C'est ça, ouais. Cool. Je me suis encore trompée. Parfait. Ton tentacule dans un jeu. Tant qu'il n'y a pas de tentacule, il sera pas content. Mais pour qui le prenez-vous? Bah, il est tout seul. Qu'est-ce que tu fais là, Jean-Bobby? Allez, oh mais c'est boobs, au secours. C'est encore pire avec cette tenue quoi. Hop. Yay. Allez, devenez une vache. Parfait. On n'avait pas la tête, c'était dommage. Ah, ça évolue avec du lait. Bah oui, forcément. De la lumière enfin, c'est si agréable. Hé hey Nathalie, je voulais te demander ça depuis un moment déjà, mais c'est un peu personnel peut-être. Qu'y a-t-il? Est-ce que tes seins énormes servent à amortir les impacts des attaques ennemies ou sont-ils simplement là pour attirer l'attention? Quoi? Pas vraiment, ce n'est pas comme si j'avais le choix, ils sont comme ils sont. D'accord, mais comment fais-tu pour en avoir d'aussi gros alors? Hamburger, chocolat? Je crois pas que ce soit si simple. Je crois qu'on devrait tester ces théories, tu sais, pour la science. Je vais t'observer, je vais observer et prendre des notes.
Écoute, Anna, ne dirige jamais l'attention sur mes seins. Ça rend les hommes les plus stupides que d'habitude, et ce n'est pas bon, compris. D'accord, j'allais demander pour les toucher, mais je crois que je vais éviter maintenant. Je vais juste faire semblant de rien avoir entendu. Ouais, je vais faire ça. OMG. C'est une vache à bubs. Exactly. Mais elle se transforme pas vraiment en vache, du coup je suis déçue. Pas feu du coup. Merde. Attaque giclée de lait, mais au secours. Putain. C'est un jeu pour enfants normalement, Pokémon, hein, Silix. Calme-toi. Bim, mammouth dans ta gueule. Alors, terre, on a dit. C'est pas la peine. Explosion, j'ai pas. Je n'ai pas. Les enfants, vite fait, ils attaquent les chouilles, comment dire. Oh, allez, arrête. On peut pas passer, là. Je crois que nous puissions traverser ce fossé pour l'instant. Nous avons besoin de trouver quelque chose qui pourrait nous construire un pont. Off course. Allez, bisous. On va garder pour la vague 2. Je sais même pas, on est rendu niveau combien? 14. 15, 14. Oh, dis donc. Tiens, on va faire ça. Je l'ai pas fait encore, ça. Et bim. Quoi? Et bim, on a dit. Non mais oh. Radio silence, ok. Alors, où qu'on en est?
Elle a pas du tout de truc feu, elle. Les altérations d'état, annuler des buffs d'un allié. On va partir là-dessus. Voilà, ça nous fait un peu plus de trick. Prendre ça aussi. Alors, et toi? Qu'est-ce qu'on peut te faire apprendre de sympa? Attaque normale de glace, ouais. Ça, c'était cool. Vol les HP. Jacqueline. Nya nya nya. Pas trois fois. Ça, ça peut être cool. Avec tous les ennemis. Carrément cool même. Et lui doit avoir, voilà, j'allais dire un milliard de points vu qu'on ne l'utilise pas. Et lui fait des explosions, ce qui est plutôt pas mal. Du coup. Ok. Qu'est-ce qu'elle a, Jacqueline? Quand tu mines, sois certain de ne jamais creuser directement vers le haut ou vers le bas. Tu pourrais facilement tomber dans la lave. Ça ne vaut pas la peine de mourir pour des diamants. On m'a fait faire une expédition minière quand j'étais enfant. J'ai vu des trucs terribles que je n'oublierai jamais. Il y avait des araignées partout, puis quelque chose a explosé derrière nous. Traumatisme. Je suis où? Je suis là. Bon, quand est-ce que je me transforme en vache? Je suis extrêmement déçue. Alors, terre, eau. Terre, eau et trucs comme ça. Oh lol, attention, vous pourriez vous mouiller et après vous seriez faible contre la foudre et la glace. Ok. C'est mignon. C'est tout choupinou-pignou.
J'ai envie de voir ce que c'est ça. C'est joli. C'est nul, mais c'est joli. Oula. Qu'est-ce que c'est ça? Je me suis cassé un ongle. Oh my gosh. Alors, oh, ça a pas mal de faiblesses, ça. Ça te secule. Et donc ça on a dit que c'était très bien. Ils ont l'air tellement méchants. Glacéo. Trop mimi ces petites flèches. Un cupcake. Donc l'esquive, on te l'apprécie. Lui. Il y a pas mal de lave qui coule à travers ces grottes et elle a bloqué certaines zones plutôt cool. Je me demande s'il n'y a pas un levier qui pourrait nous aider à marcher dessus. Oh, ce sera un objet bien pratique. Je ne doute pas qu'on va éventuellement finir par trouver quelque chose comme ça. Oui, là, de toute façon... Ouais, faut redescendre. Je ne puis point for the moment. On peut pas y aller non plus. C'est bizarre par contre. J'ai dû rater un truc. En haut là. Ah si, il y a totalement un passage. Ah, attends. Peut-être une petite sauvegarde. Hop là. C'est pas haut que je... C'est glace. Voilà. J'ai probablement l'altération d'état la plus dévastatrice qui soit. Ok. Ma glace, toujours. Qui tu veux, toi? Glace aussi. Du café. Très bien. Donc je n'ai pas de planche, je n'ai pas de rien du tout. On peut pas servir de la plaque? Pas... Ah non, non, pas du tout, c'est pas ça qu'ils veulent, très bien. Tis the note that. Mmh.
Alors, toi, c'est de l'eau. Toi, c'est du feu. Ça se tient. Elle a pas de l'eau, elle. Sacrés sont puissants, mais peu d'ennemis sont faibles contre eux. Donc, par Shinafu, il n'y en a pas d'invocations qui font des AOE, c'est dommage. Enfin, ce serait un peu fumé, mais ce serait bien pratique aussi. Quoi quoi du pain? Mais non. Not a bread, not a bread. J'aurais dû faire l'inverse, j'étais con pour le coup. Alors, gna gna gna, les effets attaque dépendent de l'arme équipée. Du fire, ouais, ce sera pour eux. Ah non, mais il y en a encore aucun qui fait. Oh, c'est nul ça. Ah, si, affecte tous les ennemis. Allez. On aura au moins deux. Non, pas du feu. This is not a good idea. Églups. Allez, je veux du stuff et des armes. Waouh, cette caverne est incroyable, des cristaux sont énormes. Hey, et certaines de ces formations rocheuses bougent, il y a un énorme monstre de pierre juste devant. Oh putain, j'avoue. Je me souviens pas d'avoir entendu quoi que ce soit à propos d'un boss qui se trouverait ici. On dirait que des morceaux s'en détachent et flottent autour, j'imagine qu'on peut s'entraîner avec les petits d'abord. On va sauvegarder. Qu'est-ce qu'il dit Panzani? On peut pas passer? D'accord. Ah, il faut vraiment passer par là. Bah let's go. Alors, foudre eau. Tactique bim. Oh merde, c'est pas comme ça qu'on changeait de joueur, remplacement. Voilà. Bah lui aussi il invoque des mammouths normalement en plus. Qu'on a dit. Bah on. Tu te fous de ma gueule ou quoi? Je l'ai fait venir parce qu'il a des trucs qui font boum, lui. Je lui ai pas appris de trucs qui font boum. Bah ce sera des éclairs. Allez. Que je regarde d'ailleurs. Est-ce qu'il invoque des mumutes lui? Équipement. Oui. Ça me peut-être lui donner mieux.
cette tronche, quoi. Sois brave, Jean-Bobby. Élément feu. Ouais. Tant qu'à faire, on va up les trucs aussi. Ça sert à rien. Tu as pas débloqué le spell explosion avec lui. J'ai fait de la merde du coup. Compétence. Après ça. Oh putain, tu peux pas les avoir. Ah si, là. Lui. Lance une bombe. Allez. Ouais. The Bamba. Infecte tous les ennemis. Ça aussi, on prend. Très bien. Alors, compétence, elle est où la bombe? Surprise, motherfucker. Non, glace, c'était mieux. Bon, je suppose que le boss, ça va être un truc d'affinité, là. En fonction de la couleur, il va falloir lui balancer des trucs différents dans la couenne. Allez, deuxième boss. Everigo. Je ne sais pas quel élément ce type est censé représenter, mais je suis certain que les bombes vont toujours fonctionner. Allez, mamou dans ta gueule déjà, ça c'est fait. Feu. Ok. Peut-être s'occuper des petits d'abord. Explosion. Explosion et glace. Et faire pop? Non. J'aime sur le dos du golem change de couleur quand on le frappe. D'accord. Ah oui, donc c'est ça, il change à chaque fois. Ok. Feu et explosion. Pardon? Il avait dit feu? Tricheur. Mais quoi? Oh merde, il a plus de vie, Jean-Bobby. Oh, j'avais pas vu. J'avais pas vu. Reviens. C'était la meilleure sieste que j'ai fait depuis un bon moment. Bah écoute. Objet 300. Ça fait beaucoup 300. 200. Tiens. Ah non, ça fait rien du tout en fait. Je ne sais pas lire. Parfait. Bon, qu'est-ce qu'il veut lui dans sa gueule? De la glace. À y faire pop, ok. Parfait.
De la foudre. Je sais pas s'il va avoir ça. Foudre, foudre, foudre. Oui. Les appareils électroniques devraient être free maintenant. Okay. Glace encore. Putain, il perd pas de PV le con. Je vais prendre praline si je les laisse en vie, ces petits couillons là. Ah, sauf si on compte sur la gloire du Mémut. Fire. Quoi? Non mais attendez s'il vous plaît. Je me fais OS le cul. Feu. Attaque normale, merde. Explosion? Bon allez. Ok. Très bien. Pas beaucoup de dégâts, mais visuellement impressionnant. Glace. Attends. Hop, invocation. Glace. Oh putain. Vas-y, bouffe-toi un citron. Ah, c'est pour tout le monde le citron? Merde. Feu. Est-ce qu'on a une invocation de type fire? Nine, not a fire. Putain la vache, ce qu'ils lui mettent, sérieux, c'est ouf. Alors, bang, gel. Feu. Oh, oh. Attends, c'est cool s'il y a un mammouth qui proc à chaque fois, par contre. Food. Quoi? Oh mais l'escroquerie totale! L'escroquerie totale! C'était pas mal ça. Marie, c'est malade? Merde, sérieux? Qu'est-ce qu'elle a? Oh, putain, fais chier, faut que j'arrête d'utiliser la foudre là-dessus. Une gastro fulgurante. Ah, bah voilà. Je lui ai refilé ma merde. Oui, je viens de voir. Sinon, je s'auto-réduise, s'auto-détruise. Merde. C'est couillon ça.
faut savoir partager, Schnafou. Hein. J'ai été bien élevée. Allez, yahoo! Je n'ai plus de mana objet. Bouffe-toi ça. Si je suis malade et agrippale, mais je commence. Je vais quand même aller bosser histoire de partager tous les microbes. Je leur refilerai mes microbes demain. Putain, fait chier. Il veut pas arrêter d'en invoquer là. Oula. C'était quoi ça, un nouveau modèle de missile? Bah ouais, j'avoue, c'est pas les mêmes qu'il envoie à chaque fois. Qu'est-ce qu'il fait? Ah ouais, je le comprends, Sidix. Moi, c'est pour ça que j'y suis allée hein, au boulot. Il n'y aurait pas les jours. Enfin, même pas les jours de carence, c'est que je serais payée. Je pense que je serais restée chez moi déjà hier, mais là, aujourd'hui, je pouvais pas. C'était juste pas possible. Oh la vache. Ils peuvent pas invoquer des mammouths là? Voilà. Très bien. Des mammouths qui ne font rien. On va faire jouer Jean Bobby un peu. Et voilà, ça dégage. Il est décédé. Quoi? Mais Mythopathe est mort. Tout ça pour une paire de pizza. C'est totalement nul. Mais quoi? Pardon? Mais c'est Mew? Un chat rayonnant qui vole? Mais quelle est cette sorcellerie? Pardon? Pas trop de salaire alors que je sens repoussoir de questions. Ouais, tu m'étonnes. Mais ok.
Ah, quand l'élément mort. Putain, j'en ai pas non plus. Ah, c'était par rapport à son arme. Voilà. Non, mais j'en fais quoi de ce truc? Fin de votre règne approche, humain. Il va me tuer? Non mais il va me buter. Au secours. Mais ses points de vie, mais qu'est-ce que c'est que cette merde? Il est niveau 32. Non mais c'est mort, c'est pas possible, c'est obligé, c'est scripté. Essayons juste de survivre, mais comment tu veux survivre? On va leur donner du café. Shnafu est quand même venu tirer et remettre le corps de ce pauvre homme. On sait jamais. Mais tu fais bien, tu fais bien. C'était quoi cette forme étincelante? On pouvait même pas la toucher. Il ne s'est même pas donné la peine de nous attaquer directement, comme s'il ne faisait que jouer avec nous. Je crois que je sais ce que c'est. On devrait se dépêcher d'aller au sud vers le joyau de chute blanche. Et vous viendrez avec vous trouver des fossiles avant de traverser de la grotte. Il y en a pas mal dans ce réseau de grottes et j'aimerais bien que vous... Oh, non, j'en ai pas. On pouvait pas aller là? Avant de se barrer. Ah si, c'est pas mal ça. Pas mal ça. Ah, par contre, ma Jacqueline est décédée du coup. Non? Vent, glace.
lecture multiple, mais c'est pas lui qui a ça. Ici, du coup. Fait que tous les ennemis. Ah, j'ai pas assez de points. C'est dommage. Défense magique de tous les alliés. Tous les ennemis. Oui, je veux des AOE. Très bien. Par contre, pourquoi c'est lui qui chante Prums? Allez, augmente l'attaque, oui. Augmente la défense. On va en mettre un peu pour tout le monde. L'attaque magique, oui. La défense magique. On va donner un peu à lui. La précision. Merde. Esquive. Alors, utiliser pour améliorer les équipements dans le menu forgé. Très bien. Les clés, très bien. Ok. Par contre, pourquoi c'est lui que j'ai là? Allez, ne. Ah, la lumière du jour, pas trop tôt. Waouh, c'est trop clair. Je crois que je vais devenir aveugle avec toute cette neige. L'avatar que tu vois, c'est la première personne dans ton équipage. Oui, d'accord, ok. Ah oui, faut juste que je remette ma Jacqueline. Très bien. Allez, un chinafou pour la gloire. Oh non, c'est pas avec lui. Tant pis. On verra plus tard. Je préfère jouer avec avec ma meumeu. Vous venez juste de sortir de la caverne de cristal. Bienvenue à Chute Blanche. Alors, vous devriez vite prendre quelque chose de chaud à manger. Vous semblez épuisé. Oui, je suis fatiguée. Ah zut, nous avons été trop lents. Le joyau a déjà été volé. Celui qui a fait ça doit être vraiment rapide pour arriver avant nous, étant donné qu'il a quitté Bois Vert juste avant nous. Cheveux verts, je crois que c'est le moment de nous dire à quoi servent ces pierres. D'accord, mais ça pourrait être difficile à croire en supposant que ce soit vrai. Nos légendes ressemblent à ceci. Au commencement... Ah mais c'est le chat. Il n'y avait qu'un être, un être divin. Son nom était Déesse Féline. Mais Déesse Féline était seule. Elle créa donc le ciel et la terre et toutes les créatures la peuplant. Elle créa ensuite les chats à son image et leur donna le contrôle de la terre, ainsi que sur toutes les autres créatures. Narmol. Tu dis qu'un chat a créé le monde pour d'autres chats? Ça ressemble à une de ces histoires du soir farfelu qu'on raconte aux enfants, mais tu es folle. Ah, chut, laisse-la continuer. Ça peut être... Ça peut être à voir avec ce chat rayonnant qu'on a vu plus tôt. Donc Déesse Féline a créé tous les chats.
Et pour des milliers d'années, les chats ont dirigé la Terre. Ils construisirent de grandes civilisations et possédaient une technologie avancée, mais ils devinrent finalement trop proches des humains. Déesse Féline était jalouse de cette nouvelle amitié entre les chats et les humains. Elle détruisit tout ce que les chats avaient bâti. La plus grande création de Déesse Féline n'était plus digne d'elle. Elle les priva donc de leurs pattes. Voilà pourquoi ils ont cette apparence aujourd'hui. Les petites bulles? C'est pour ça que les chats n'ont pas de pattes? No leg, je suis désolée pour ton créateur abusif. Waouh. La déesse Féline quittait ensuite le monde et on dit qu'elle aurait seulement laissé ses 3 joyaux. Depuis plusieurs générations, les humains ont protégé ces joyaux et ont gardé les loin l'un de l'autre, de peur que la déesse Féline revienne si les joyaux étaient rassemblés de nouveau. Nous devons donc empêcher la déesse Féline d'être ressuscitée au risque qu'elle vienne de nouveau tout détruire. Vous avez sûrement aperçu l'ancienne ruine lors de nos voyages, non? Des ruines remplies de statues de chats. Tout cela pourrait bien être vrai. Ah, c'est vrai. Nous avons visité une vieille ruine dans le désert dans le jeu précédent. C'était plein de chats. Mais j'ai pas fait le 3, il est en anglais. Je ne sais vraiment pas quoi penser de tout ça. Très bien. Le petit épée. Quoi, Oula? Pourquoi tu oulates? Oh, j'adore toute cette neige, ça me rappelle mon village natal. Nia, 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 très bien. Mia semble aimée par ici. Okay. Faut que je me battais contre un mumute. Très bien. C'est un mammouth laineux. Ne le tuez pas, on peut le capturer. Quoi? Mais comment on le capture? Ah, pardon. Merde, comment on capture? Je sais plus. J'ai appris à faire ça la dernière fois. Mais lol, on a balancé un mammouth sur un mammouth. Non, faut que je le tue. T'es sûr? Monsieur, il a dit qu'il fallait pas le tuer. Ne coopère pas du tout. Je crois qu'on devrait le battre jusqu'à ce qu'il se calme. D'accord. I understand. Tiens, elle est cool cette limit break. On va pas lui faire grand chose, mais elle est drôle. Voilà. C'est un plaisir. Mon fusil s'échauffe, je ferais mieux d'y aller mollo. Ah oui, dis donc. C'est vrai qu'elle va pas bien, elle. Tactique. Changer de joueur. Bah pourquoi elle vient pas? Remplacement. Je récupère mes petites vaches comme ça. Euh...
Mais j'allais pas leur sort de sang, je crois pas. J'ai pas fait gaffe. Je n'ai point fait attention. Est-ce que j'en sors de soin? Ah, d'accord. Effectivement. Oh merde. Ah oui. L'écrasage total. Reviens à la vachette. Top à la vachette. Ça y est, elle est décédée là. On va quand même le manger, hein. C'était le plan, non, les gars? Horrible. Non, on va manger le mumut. Ah! On a un nouveau pet. Du coup, c'est un pet ou c'est une invocation? Bah, tu fais là. Ah, c'est pas la même chose, hein. On va se balader un petit peu ici. Pet égale invocation, ok. En fait, je n'ai pas vraiment d'idée sur la manière d'atteindre le dernier joyau. Tout ce que je sais, c'est que c'est dans une ville au nord que nous aurions besoin du marteau pour y arriver. Quelqu'un sait où se trouve le marteau? Nope. Il fait vraiment froid aujourd'hui. Mon appareil de propulsion de balles pourrait s'enrayer sur d'autres gluants de neige, c'est trop bien à moi. Puisque je suis si sympathique, je vais vous dire qu'il y a deux secrets dans cette région. C'est tout? Il va pas nous dire lesquels? Très bien. Pas très additionnel, donc... Ok, le mumut. Du fire? Oui. C'est tout? Oh! Cool! Situation gluante. Ah merde! Je suis engluée! Ah, c'est pas elle qui a... Oupsie. Je pensais que c'était elle qui avait le sort pour compétence. J'en ai un qui a un truc... Merde. Il me semblait que j'avais appris un truc pour... C'est peut-être elle qui l'a, du coup. Ça serait ballot. Pour enlever les debuffs. Un gros gluin. Putain. HP, HP... Monte l'esquive... Sonne les altérations d'état. Elle bouffe ta gousse d'ail, toi. Mais non, mais... Arrêtez. Tiens. Comment ça, ça miss?
pas une altération d'état, cette merde ? On ne peut pas effectuer un tour de pataké, aucun remède n'existe. Ah oui, d'accord. Autre que la mort ou le temps. Très bien. Oui, donc c'était totalement random le fait que ça se soit soigné au même moment. Je vois. I understand. On dirait un petit gluant Evoli. C'est mignon. C'est bon, le coup ? Non. Bon, il y a un endroit où se trouve le marteau. Ça doit être dans cette usine, non ? Comme ça tombe bien. Ah, d'accord. Ah, j'ai pas de... Ouais, de clé d'argent. Ok. Un truc où... Ah, fallait se fighter. D'accord. Comment ces chats peuvent-ils seulement tenir... Ouais. C'est très bizarre. Mais y a un requin. Lol. Technologie avancée, ouais. C'est plutôt sympa. Oh, il a ramené un pote. Salaud. Allez, on va rentabiliser pour le dernier combat. On va use du schnafou. Oh, comment elle a dit ça d'un air dédaigneux. Ils sont forts, mais c'est quand même que des chats. M'attends. Elle a de la terre, elle. Oh, mais crotte. On en parle de la déesse féline. Bah ouais, non mais c'est trop cool. Pâté pour chat, même les chiens en raffolent. Lol. Qu'est-ce qu'elle a, elle ? Oh, j'aimerais qu'il puisse simplement détruire l'usine chimique... Elle fait plus de mal que de bien. Toute la partie de chute blanche pue les égouts. À présent, excusez-moi pendant que je commence à pas me sentir très bien non plus. Pareil. Je sens rien, moi. Ok. Bon, allez, hop. On va mettre les compétences et on va arrêter là pour ce soir. On va laisser la place à Monsieur Nurs. Qui va s'amuser à tuer tout le monde sur XCOM. Le chalot. Si je veux d'abord, mais oui, tu veux.
à bord à bord. Petit truc qui hop là. Alors, est-ce qu'on peut faire du up de quelque chose? Nine. Ok. Écoutez, hop, on sauvegarde là. Je vous laisse donc avec Monsieur Nours Gaming TV sur du XCOM, où il va s'amuser à killer tout le monde, et nous, on continuera... On continuera ce petit jeu, si je dis pas de bêtises, jeudi soir en deuxième partie de soirée. Voilou. Il est vraiment bien, j'ai eu un peu de mal à me remettre dedans là parce que j'avais complètement oublié où on en était, mais il est cool ce petit jeu. Ça me fait tellement plaisir de repartir sur un peu de tour par tour. Ça me manquait. Il y a des trucs dans les bottes ? Ah lol. Ok, je sais pas ce que j'ai fait. Très bien. Allez zou, sur ce je vous fais le bisou, la bonne soirée et amusez-vous bien en compagnie du grincheux. Pissou pissou.